What a lovely little baby. And this grain, this unique type of image. It's certainly not video. This is real film. These are Super 8 images, to be precise. And I'm the one who made them. Me, the Super 8 camera. I can guess what you're thinking. What is Super 8? Something from another century? It doesn't exist anymore. Be careful, I'm going to get very upset. Cinema has been around for over 100 years, right? People have always been keen on filming each other, right? But 35mm professional film for the average man wasn't suitable. So, manufacturers invented more flexible and cheaper formats. For example, 16mm, still a little expensive, 9.5, a French format which didn't really take off, 8mm, and finally in 1965, Super 8 first saw the light of day. And off we go. Thousands of families have used it to shoot Christmas, birthdays, the marriage of Auntie Betty and Uncle Fred, school parties, yes, all the things you're shooting today with camcorders. Camcorder, my enemy, you almost made me disappear, but I'm still here, thanks to my fans and lovers, all those filmmakers who are ready and able to make me purr like this cat. I'm very happy to show you these images never before seen. That's me during my very first trip outdoors while I was still a nipper. My parents were so proud of me, you can't even begin to imagine. Only just out of the pram I captured such memories. During the golden age I used to be the star of the family and I could turn around more than 50 million cartridges per year. Well, I'm not going to tell you all about my life. I prefer to let my lovers, all my beloved filmmakers, do it for me. First stop on our trip is the Trianon of Romainville, a cinema even older than me, but still alive and kicking. Youngsters have the chance to discover Super 8 thanks to Dominique Mühlmann. She's in charge of the Young Audience program for the town. Je vais vous présenter un personnage qui s'appelle un projecteur Super 8. Venez, on va s'approcher. Vous avez déjà vu une machine comme ça? I haven't spoken about projectors yet. They're so important. We'll come back to them later. To see these kids handling us so easily, I wonder if Super 8 isn't in your genes. Oh, le monsieur l'a filmé. Et il était tout rikiki. Bingo! Good for you, tweeny weeny camcorder. You couldn't have captured that. Dominique brought the projector all the way from the Trianon to her living room. Remember? To see my films, you had to close the curtains and black out the room. Then images would fill the screen and we'd dream together. Super 8 a toujours été présent parce que mon père en faisait beaucoup et que c'était vraiment une fête. En général, c'est le dimanche après-midi. On lui disait, papa, allez, montre-nous les films Super 8. Il disait, bon, d'accord. Puis après, j'ai appris à charger le projecteur et le projecteur, c'est devenu le mien. Il me l'a donné, ainsi que tous les films de famille. Il m'a tout donné parce que j'étais la seule à vraiment voir la fibre avec ça. Bon, j'espère que c'est pas moi qui vais me mettre à pleurer maintenant puisque je vais regarder un film où j'étais enceinte. De Félix, c'était en 2001. Cap Ferré, donc c'était vraiment la dernière balade avant la naissance. We were the privileged witnesses of your lives. Ou alors c'est Nicolas qui aimait bien me voir danser. Peut-être qu'il me le demandait, je me souviens plus. So when your flame sometimes faded, we still kept a trace. Félix. Il y avait besoin, alors ça c'est vrai que c'était assez comique parce qu'il fallait tout le temps lui mettre un doigt dans la bouche pour qu'il arrive à s'endormir. Il avait besoin de téter. Mais on avait le doigt complètement abîmé et on y passait des heures, on n'en pouvait plus. Maintenant tout ça c'est vieux, hein. C'est vrai qu'en le revoyant. Bon ça va, je tiens le coup quand même. Hein. Je pensais que ça serait pire. J'aime bien les revoir. Je sais pas pourquoi. Hein. Là, c'est des faits. Hein. Moi, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui dépasse, quoi, qui transforme les lieux, qui transforme même nous. Parce que c'est vrai que quand on apparaît sur l'écran, on devient des personnages. Quoi. On est mis en scène, on est dans un cadre. Et du coup, ça impressionne même.
Although it was invented for it, is Super 8 really just a format for family memories? I'm not so sure. Let's meet Roger, one of my most loyal fans who still uses Super 8 in Beaune, Burgundy. Roger is a former artisan charcutier. You can see him on the left, the guy with the moustache. Like many daddies, he used to shoot major events such as... or even... He even tried Super 8 with sound at the same time I was learning to speak. But it wasn't all plain sailing. However, he decided to direct movies such as... Oui, il est bon, mais un peu acide. As well as... For Roger, animals are a little bit like his cameras. He simply adores them. And you know what? From the time he became a real Super 8 director, he shaved off his moustache. Il est filmé. On va vérifier la caméra si il y a assez de batterie. If anyone laughs at my Mickey Mouse ears, I'm going to scream. These strange ears allow me to have more film going through my belly instead of having only 3 minutes of film. Roger has no less than 10 minutes. Voilà, mais je vais tout de suite mettre ma petite cale dessous que j'ai fabriquée moi-même pour que ça soit beaucoup plus stable. Sticking heavy lenses on my nose suits me fine. Well, from time to time. I wouldn't like them to destroy my gorgeous body. Je vais mettre ça dessous. Mon caoutchouc. On va le venir là. Et... voilà. Thanks to you, Roger. Ouais, comme ça, ça bouge pas. Impeccable. Unlike you boring, silent camcorders, I always have a sweet engine noise when I'm shooting. Now, I'll try to be more discreet. L'outil du chasseur d'insectes, j'ai vu une chenille, mais ça, ça m'ennuie. La voilà en plein soleil. Voilà, si elle peut rester comme ça et bouger un petit peu, déjà que je la trouve. Ah bah tiens. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Voilà une coccinelle qui est encore au soleil. Bien joué, elle est partie au moment voulu, elle est revenue, puis elle est pas craintive. Je pourrais peut-être si m'approcher plus près, mais j'ai plus de pellicule. I think Roger is quite right to shoot these insects and flowers because it's true. They don't live to be very old, too bad for them. But Super 8 does. After 40 years, our colours can still be vivid. In Super 8, even if you don't shoot insects, you have to be patient. For example, you have to wait for the film to be developed. Today, everything goes so fast. Taking time is a luxury. Strength and fragility. Now that describes Super 8. A scratch on the film can destroy it.
So a lot of people are scratching their heads trying to see how to make us immortal. I don't really know what to think about this. Well, they're young, so why not give it a try? Their intentions are good. Je suis pas vraiment de la génération Super 8. Au niveau de mon histoire, en fait, c'est particulier parce que ma famille, en fait, est une famille de réfugiés politiques et on est parti en fait sans aucun souvenir. L'ironie, en fait, c'est que je travaille en fait sur les souvenirs des gens. Beaucoup de jeunes gens offrent ça à leurs parents et découvrent les images en direct. Et les gens sont souvent surpris. Alors, je sais que, alors, on s'arrange toujours pour avoir un paquet de mouchoirs qui traîne et ça sert. Là, on a beaucoup de gens qui regrettent d'avoir filmé les pyramides au détriment de leurs enfants. Poussez-vous, je vois pas la pyramide. Et finalement, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ils se rendent compte que c'était pas les pyramides les plus importantes, puisqu'elles n'ont pas bougé. C'était leurs enfants qui étaient tout petits, tout petits. Pellicule Super 8, que je voudrais faire mettre en DVD. Here we go. From film, now our images become digital. The film is compressed, deconstructed, broken down into a million pixels. Oh, it gives me the creeps. Would you be really happy if you had to be dematerialized to fit into a hard drive? On constate là que c'est quand même très rouge. On corrige. L'image d'origine et l'image de réception, c'est une première entre guillemets mise aux normes, une première correction, pas trop marquée non plus, parce qu'après il va y avoir des variations qu'on va reprendre une fois que ce sera numérisé. Et les couleurs sont bien présentées, là voilà, c'est bon là. Je pense que c'est valable. Dans le Super 8, en pellicule en général, les blancs n'existent pas. La notion de blanc, elle est venue qu'avec la vidéo. En cinéma, en pellicule, en fait, on parle plutôt de niveau de gris. Tu avais expliqué ça? La pellicule est une empreinte de la lumière, une empreinte du réel, alors qu'une caméra vidéo en fait n'est que la reconstitution du réel. Je pense que c'est la vraie différence. D'un côté, en fait, on a la lumière en fait, qui s'imprime directement sur une pellicule, et de l'autre côté, la caméra vidéo en fait interprète ce qu'elle est censée voir à travers son œil. La pellicule, à l'heure actuelle, c'est peut-être le support le plus fiable qu'on ait, et je parle bien de support hein, comme mode de conservation. D'ailleurs, pas mal de sociétés de conservation et de restauration restaurent les films de manière numérique en fait, et réinjectent sur la pellicule. Là, à l'heure actuelle, le cinéma a 100 ans, on en a des traces. Et après, ce qu'il y a plus vieux que le cinéma, ce serait certains tableaux de maître et après les peintures rupestres de Lascaux. Mais je pense que la pellicule a un avenir encore en termes de conservation. Obviously, it's not on Super 8 that technicians can conserve all those memories. But as long as real film exists, I have to say, hope is still alive and kicking. Digital, anyway, is so mundane with its succession of zeros and ones on a straight line. Come on. Bye-bye, little one. By the way, what did number 8 say when he met up with Zero? I don't know. Oh, you didn't put your belt on today. It's a little story I was told in the schoolyard. I'm delighted you like it. If you think closely about it, 8, the number, is really something. Look at it horizontally, you have the infinity symbol. Vertically, it becomes a superhero's logo. And superheroes do have superpowers. I won't enumerate them. I'm far too modest. If you're lucky enough, maybe you'll meet Super 8 Man. He's the one in red. He's holding one of my sisters, a stunning camera with superpowers that can save the world. He lends it to Didier Grignon, alias Roger Tout Le Monde, a character created by the actor who's stuck in the 60s, in other words, the decade of my birth. Roger est à bout de souffle. Dans le camion des films, Roger, c'est dans un quart d'heure, à 11h précise. Bah c'est du muet. Je veux pas m'embêter avec le sonore parce que ça nous permet de nous amuser après sur les films. Roger t'as bout de souffle pour le projeter, on est obligé d'être là. Sinon le film il est muet, l'image est belle, hein, mais il est pas intéressant. Attention, Yvonne, t'es prêt? Attention, photo. Roger, on envoie la voiture. Oh non, oh voleur, oh voleur. Oh non, on a 203. Si vous n'aimez pas la mer,
si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Roger and Brian, Didier and Paul in real life, travel through France spreading the good word of Super 8. Birth is given to their creations in their laboratory warehouse at Boulois in the Sarthe. Alors ça c'est 2203, elle est pas vieille, elle est 1958. En fait j'en ai fait une salle de cinéma de Super 8. Bon ben Brian, à tout à l'heure hein. Allez hop, c'est parti. Eh bien, bienvenue dans la 203 cinéma. Ça va, vous êtes bien installé? Je vous souhaite un bon film. Ça vient. Bon, ça c'est Gisèle, la cousine. Elle fait coucou la caméra. Puis là, c'est Yvonne. Voilà, ça veut dire que c'est moi qui tenais la caméra. Et alors là, regardez bien, c'est moi qui a fait le cadre après. Là, voilà le plan d'eau. Et alors là, regardez bien, là c'est dynamique. Hop là, là c'est moi. J'avais dit à Yvonne, tu tiens bien la caméra. Et hop, c'est moi qui passe avec Gisèle. De chaque côté, ça donne de la profondeur à l'image, c'est pas mal. Si on veut que le cinéma progresse, hein, c'est comme ça qu'il faut travailler. Excusez-moi. Oui, Brian? Oui? Non, mais ça y est, c'est parti. Non, c'est net, hein, quand je mange, je fais la netteté. Attends, excuse-moi. Là, c'est Yvonne. Regardez, on dirait une actrice de cinéma, hein, elle est belle. Oui, tu disais? Tu veux venir là? Bah écoute, fallait le dire avant, hein, là c'est commencé. Mais ouais, j'ai encore une place devant, donc viens si tu veux, mais tu fais vite parce que ça va faire un appel de lumière. À tout de suite. Excusez-moi, il y a Brian qui arrive parce qu'il dit, bah attends, je suis tout seul, je m'ennuie. Vas-y, rentre Brian, installe-toi. Oui, c'est à la bonne franquette. Voilà. Là c'est moi, là j'étais en train de faire ma petite sieste parce qu'on avait pique-niqué avant, puis c'était assez lourd. Ah bah Yvonne, elle m'avait pris ma caméra. Là c'est pareil, je l'ai découvert en développement, j'étais pas au courant. Bon là c'est un petit peu flou, c'est n'importe quoi, puis là elle a filmé les pieds, bon bah... Puis bon bah, après là j'ai dit, bon déjà que c'est flou, j'ai coupé parce que bon bah, on peut pas tout montrer non plus. Hein. Voilà. C'était baignade à Coco-Plage. Ça donne envie d'y aller hein. Us Super 8 cameras are often compared to guns. It's true that we aim and shoot to capture and preserve life, but not to kill. We'd rather be muses. Bon, ça, c'est des anciennes jupes d'Yvonne. Et en fait, c'est pour un spectateur et on doit pédaler pour voir un film. Brian va vous faire une démonstration. Tu passes bien la tête, tu fais attention de pas te cogner. Cinérotique, le titre du film que vous allez voir s'intitule Spoutnik. 3 minutes de pédalage, hein, c'est long. On a choisi ça comme musique parce que bon bah ça fait partie des musiques qui vont bien sur les spectacles de striptease. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est comme le jazz ou le bebop ou le swing ou le blues. Enfin bon, c'est une musique qui excite les sens. C'est la première fois que je projette des films que je n'ai pas tourné. C'est une collection particulière. Sur chaque vélo, chaque machine cinérotique, il y a 4 films. Et donc, ça fait 12 films dans la collection. Et puis, on les prend dans l'ordre. Des fois, j'ai 2 heures de queue. Enfin, voilà. Now let's look at 8mm invented in 1932. 8mm stood in 16mm reels, cut in two. You had to load it in the dark. But this little device created by Kodak was revolutionary, the cartridge. The film is protected within the plastic, so you can load it in the daylight. This is one of our many superpowers. In addition, Super 8 holes are smaller than in 8mm. Therefore, I can project a larger image. New format creates new needs. We inaugurated the Consumer Society. I almost forgot to tell you. Kodak quickly located in Chalon-sur-Saône in the mid-80s when production was severely reduced. 20 million cartridges in use worldwide were manufactured here. Today the factory is closed, films have changed, but Super 8 is still here. Ah bah tiens, toi, c'est un courrier de Cinescopie. I'm eager to know what goes on in the Super 8 fans' daily routine. Quelle bonne nouvelle nous annonce. This is a nice fanzine. Construction module son pour le projecteur C. Bon, je sais, ça m'intéresse pas. Méthode de doublage pour les films Super 8. But I don't think our best side's been shown. We deserve better.
un petit peu le cadrage. Voilà. Là, moi j'ai une petite rayure, mais ça c'est au développement, à tous les coups. Là j'ai une punaise dans une fleur de pissenlit. Et voilà. Bien droite, les deux sur l'autre. Donc là, tout est bien coupé droit. Il n'y a plus qu'à coller le scotch dessus. Il ne faut pas que ça se chevauche, bien sûr. Voilà. C'est assez minutieux à faire. Et voilà. C'est bon. Bon, alors une fois que mon film est prémonté avec du scotch, je vais le coller à la colle professionnelle. Ça coupe mon film légèrement en biseau. Je reprends ma colleuse. Je mets mon film dans les ergots pour le maintenir. Hop, j'en mets très très peu. Une petite goutte. Voilà. Voilà, ça va passer impeccable dans le projecteur. C'est un bruit anormal. Ouais, décidément. Oh. That's below the belt. How would you like it, my dear camcorder, if I'd filmed you when you had flu? What's Roger going to think of me? Oh well, let's move on. From Beaune to Strasbourg. Here you can find a new kind of festival. No editing, shot in camera, art form. Donc le petit clapet sur la bobine, sinon elle va tomber. Ça m'était arrivé ça l'année dernière, petite anecdote. Les films qui ont commencé à rouler à travers la salle, c'était assez rigolo. On arrête le maintenant. Tu as fait juste un play quand même avec la lumière. T'as le capuchon sur l'objectif. Ouais, nickel. I've been told that it's quite an organization, although it's not the Cannes Film Festival. Réalisatrice, réalisateur. Donc vous aurez besoin de deux micros ? Non, un, finalement. Un voilà. Micro ? Filmmakers come without even having seen their films. This is the rule. They can add some live sound during the first screening and have to be really at their best if they want to win a prize. Ça va être pas mal du tout ce soir aussi, quoi. Ce soir, c'est un peu plus européen, vu qu'il y a déjà la présence des tournées montées suisses. L'objectif de cette année, justement, c'était vraiment de professionnaliser la chose. Montrer qu'il y a vraiment aussi une recherche artistique derrière le Super 8, c'est que c'est pas juste faire un film pour faire un film. On utilise ce grain aussi pour amener des choses peut-être différemment. Ok, bienvenue à cette 9e édition du festival Tournée Montée Super 8. On va être costumé et tout, voilà, c'est pour mettre un peu l'ambiance aussi. C'est un peu ce côté salle de ciné des années 20, un peu ce côté cirque aussi, où voilà, il y a l'interaction avec le public, il y a le doublage en direct, enfin, c'est assez magique quand même, quoi. No editing, shot in camera, what is it precisely? Let me explain. For example, look at these two Helvetians who started in Switzerland. They fed me with a 15 meters cartridge, 3 minutes and 20 seconds of film. Every shot you see now is shot one after the other, without any cuts, any editing. Filmmakers have to think precisely about their film prior to any shooting. When they finished both their journey and the cartridge, the Helvetians send it to the festival in charge of developing it. They discover their film at the same time as the audience. And to finalize their magnificent madcap adventure, they pull themselves out of the screen to appear in the theater. This is an exercise totally related to Super 8. We are versatile. When you make an edit in camera film, you can't mess with anything. It puts the pressure on, and I love it. This film has been made without me, without a camera.
The filmmaker has used his finger as a shutter and scrolled it manually to obtain these strange shots. This year, this film won the first prize. Mon idée du départ, c'est que le garçon était immobile, tout seul, sur une dune. Toute nue, comme ça, déserte. Et en fait, c'était impossible de faire tenir ce garçon. Il y avait un vent de fou. Donc le garçon a été complètement disloqué en quelques secondes, avant même qu'on ait fait une seule image. Donc, et que la lumière était incroyable, c'était super beau. Donc j'ai décidé vite fait. J'ai dit à Julien, vas-y, on prend le carton, tu fonces là-bas, puis t'avances sur un petit pic de galets, comme ça, le long du truc. Et on a commencé le film comme ça. Il y avait Stéphane derrière, ouais, qui essayait de le guider pour qu'il aille tout, à peu près droit, quoi. Et puis Charles, le quatrième, qui comptait les clics pour savoir où est-ce qu'on en était. J'avais l'idée de ce bonhomme qui sort de son carton et qui fabrique sa vie, de sa journée, avec ce carton. L'idée du grand déballage, c'est venu à un moment où j'étais un peu désespéré de pouvoir montrer mes films, parce que c'est quand même pas évident de montrer les films Super 8. Et avec mon ami, on a cherché sur internet et on est tombé sur ce truc de complètement par hasard, de festival Tournée-Montée. Le jour même, en marchant dans la rue, j'ai eu l'idée du film que je voulais faire pour ça. Il y a des choses qu'on a improvisées aussi sur place avec, ouais. Par exemple, le plan avec la lucarne, ça on l'avait pas prévu dès le départ. Non. Donc ouais. Ça marchait bien parce qu'on a mis juste un bout de carton sur la caméra et ça donnait l'illusion. C'était pas mal. Pour faire un film en tournée-montée, il faut vraiment penser le montage avant et l'avoir dans la tête en permanence. Il faut savoir très bien monter pour pouvoir faire un tournée-montée, justement. Je sais pas s'il n'y a pas 70 ou 80 plans là-dedans. Mmh. Enfin, c'est une réaction du public quand même, c'est puissante quoi. Les gens avaient l'air vraiment contents et ça nous a. Enfin, ça fait un drôle de truc quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça passe tellement vite ces 3 minutes et d'un seul coup, les gens qui. Hubert Barian et Julien Melec share an artist studio in Paris. They're both visual artists. Let me just say, Super 8 flows in Hubert's veins. Voilà. Là, c'est tous les films. Sont plus ou moins finis en fait, je crois, donc dans leur petite boîte qui est elle-même dans une boîte en métal en cas d'incendie. Les films Super 8 seront sauvés. Mon premier vrai film Super 8, je l'ai tourné quand j'étais veilleur de nuit dans un musée parisien. J'avais d'autres veilleurs de nuit, donc je faisais ça en cachette de tout le monde. J'avais vraiment envie de faire ce film, donc je posais la caméra, je mettais un scotch dessus. Ce qui fait que c'est assez fou de faire ça en Super 8, vu le prix que ça coûte la pellicule quand même. Donc j'étais obligé de courir, me mettre à l'endroit où je devais arriver. Et hop, après j'arrivais comme ça, je passais devant la caméra, hop, je l'éteignais, j'enlevais le scotch, je changeais de plan. Et j'étais obligé de faire des scènes très très courtes chaque nuit, parce que le temps d'installer les projecteurs, de me préparer pour la scène, de faire attention à ce que les autres veilleurs de nuit me voient pas. Enfin, c'était un truc un peu clandestin que je faisais. Si on n'y a pas une rigueur, je pense que on court vite à la catastrophe, quoi. Faut vraiment la mise au point, la lumière, tout ça. Enfin, j'ai appris petit à petit, hein. Bien sûr, au début, mes films étaient tous, la plupart du temps, sous ex, parce que j'essayais de faire des choses trop bizarres, trop limites, quoi. Trop proche de la nuit ou à l'intérieur sans éclairage. Enfin, c'est très très difficile en Super 8, ça. Allez, je crois que c'est bon. J'ai tout démontré. Remember, when you left me, I had flu. I'm lucky enough to have my own doctor, Mr. James. We sure are strong machines, but I have to admit, we have some weaknesses. Les caméras, j'en ai eu quelques milliers à travers mes mains.
C'est des caméras qui n'ont pas tourné depuis des années. Donc en général, elles sont gommées, mécaniquement gommées. Donc ça veut dire que les graisses sont séchées. Donc tout ça fonctionne, mais très mal, à des vitesses qui sont instables. Donc ça, en général, c'est un démontage complet pour remise en état, nettoyage, regraissage, trucs comme ça. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire, c'est ça l'avantage. Sauf des pièces mécaniques, enfin pas mécaniques, mais optiques. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que ces pièces optiques, comme les prismes qui ont été faits il y a une trentaine d'années, ben, finissent s'abîmer parce que l'argenture, elle a vieilli un petit peu, et c'est un petit peu oxydé. Et puis ça, aujourd'hui, refaire faire ça, ben, ça coûte des fortunes aujourd'hui. Et ça, c'est... Bon, il n'y a aucun amateur qui veut s'investir, refaire ça là-dedans, parce que bon... Il faudrait y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vitesse quartier, 41 secondes. Je peux m'arrêter de travailler aujourd'hui si je veux, mais c'est vrai que tant que j'ai une demande, ça me permet aussi à des gens qui sont passionnés de ça aujourd'hui de pouvoir continuer leur passion, parce que c'est vrai que des gens comme moi, il ne peut y en avoir beaucoup sur le marché. Hein. Je vais être le dernier à mon avis. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai complètement démonté. Ouais. J'ai mis des prises de lumière autour de ça. Ouais. Et une prise de lumière importante qu'il y avait, c'était au niveau de l'obturateur variable. Donc, quand vous faisiez par exemple des marches arrière, vous aviez toujours une petite image voilà, qui était voilée. Exactement. Oui. Alors, tout ça, a été remplacé. J'ai été obligé à même de remplacer l'obturateur variable parce que je n'arrivais pas à le régler. Ouais. Il était légèrement plus court que celui qui devait être dessus. L'optique, vous l'avez. Alors, l'optique, il a été révisé. Il n'y avait pas réellement besoin de le corriger. Pas réellement besoin. Un tout petit peu en grand angle, mais très très peu. Donc, d'accord, je ne comprends pas quand même que vous avez des images floues. Quand même avec. Je pense que c'est plutôt un problème d'adaptation de votre œil à la visée. Dans les années 90, on a pensé que c'était complètement perdu. Et puis, il y a toujours eu un petit engouement. Puis, les écoles de cinéma ont toujours travaillé un petit peu avec le support cinéma. Et tant qu'eux feront l'effort de travailler avec, on aura toujours un petit peu de travail, on aura toujours un petit peu de cinéma Super 8. Right, I'm only just back on my feet and I'm shooting the end. Oh no, it's just a scrolling title, the same as those you see in the big movies. In Super 8, it's a little more complicated to do, but Roger won't take impossible for an answer. La planche que je mette déjà par terre. Je pense que je vais prendre la menthe religieuse. Je vais la mettre. Je vais déjà la mettre là. Que ça soit dans le milieu. Le générique, il a été écrit sur un genre de cellulose, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. On l'a mise au point. Oh. Plateau tournant, et voilà, mon générique va monter tout doucement. Je le lis en même temps, comme ça, et là, un fondu fermeture. Et voilà, le tour est joué. During our little journey into this fantastic world of Super 8, one can find many different kinds of filmmakers. Some of them are professionals who have built a complete work around this format. Gérard Courant is one of them. Ici, il y a l'intégrale Cinémathon en Super 8, donc du Cinémathon numéro 1 au Cinémathon numéro 2115, de 1978 à 2006. Là, il y a à peu près 135 heures de films. Alors, dans cette boîte, il y a des morceaux de pellicule. Et en fait, exactement, c'est des génériques de Cinémathon. Le Cinémathon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle. Alors ça peut être des personnalités du cinéma, de la peinture, de la littérature, de la musique, mais qui sont tous filmés selon les mêmes règles. C'est un plan qui dure 3 minutes et 20 secondes. C'était la durée de la bobine Super 8. En plan fixe, en plan séquence, c'est-à-dire que
c'est 3 minutes 20 d'un seul bloc, et après tout est conservé, il n'y a pas de montage. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra, c'est en cinéma muet, et il n'y a qu'une seule prise. Et depuis le premier cinémathon, tous les cinémathons ont été réalisés selon ces règles-là. Au milieu des années 70, quand j'ai pris la décision de faire du cinéma, je suis allé dans beaucoup de festivals, notamment au festival de Hyères, qui était le grand festival du jeune cinéma en Europe. Et là, j'ai découvert des longs métrages tournés en Super 8, notamment de Théo Hernandez, de Stéphane Marty, de Maria Clonaris et Katrina Tomadaki, de Joseph Mörder. Et pour moi, ça a été l'éblouissement, car j'ignorais qu'on pouvait faire des films en Super 8. Ça m'a contraint à me remettre en question et à me dire, voilà, je peux filmer moi-même, je peux faire des films moi-même, avec très peu d'argent, il faut y aller. Voilà, au lieu d'attendre d'éventuels producteurs, de chercher de l'argent, je peux faire des films moi-même, et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de tourner en Super 8 pendant l'été 2006, quand le Kodachrome a arrêté, et donc je suis passé au numérique. J'ai une sacoche, là. Qui est là, donc il y a de la poussière parce que je ne l'ai pas utilisé depuis, donc on voit, hein, depuis presque 5 ans. Et donc j'ai ma caméra Super 8, celle que j'utilisais le plus, qui est aussi, c'est une Boer. Cette sacoche, je la garde là parce que c'est quelque part dans ma tête, je me dis, je vais peut-être encore tourner prochainement en Super 8, peut-être que demain je vais tourner en Super 8. Donc voilà, c'est à la portée de ma main. C'est la caméra que je préfère actuellement, c'est celle-ci, voilà. C'est la caméra NISO, évidemment qu'on ne fabrique plus, 6080, qui est déjà un bel outil, donc, vraiment un bel outil, qui a une très très belle optique Schneider, allemande. J'aime bien son petit bruit, vous entendez ? J'aime bien ce petit bruit là. Stéphane Marty knows definitely how to make us purr. But experimental cinema can sometimes leave us a little shaky. En 73, je rentre à l'UFR d'art plastique et sciences de l'art comme étudiant. J'y suis initié à l'histoire et à l'esthétique du cinéma expérimental par le grand théoricien qui s'appelle Dominique Nogues. Et en voyant ses films dans ses ateliers, dans ses cours, je me rends compte à quel point, en fait, il est assez facile de réaliser des films. La caméra Super 8 est vraiment le prolongement de mon bras, de ma main, de mon corps. J'aime beaucoup la ritualisation des gestes, qu'un geste quotidien simple, un simple échange, pour moi c'est quelque chose d'éminemment sacré. Je suis moi-même complètement touché par cette question du trouble, du double de l'identité, de questionnement sur le désir, la sexualité, la frustration, la jalousie, ce qu'on a appelé les morsures du désir dans mon travail. J'aime beaucoup ce format, parce que c'est un format qui est assez proche du carré, donc pas très éloigné non plus du cercle. Donc il y a quelque chose de magique. Ce qui me paraissait être des pépins, comme des surex, des mauvais contre-jours, des chutes de caméra, des espèces de bascules, des vibrations, des soi-disant maladresses, sont pour moi devenues de véritables écritures audiovisuelles. Quand je suis dans l'opération de montage, je ritualise tout ça. Comme tous les films que je fais, bougie, téléphone, je coupe. C'est un vrai rituel. Hein. Je prends un certain type de thé. Bon, j'ai un peu l'habitude, mais je sais que quand je mets un coup de ciseau là-dedans, je sais que je mets un coup de ciseau dans un original. C'est-à-dire que c'est terminé. C'est absolument terminé. Voilà. On n'y revient pas. Et c'est quelque chose qui me plaît, ça aussi. Ça veut dire qu'il y a une décision qui a été prise. C'est une décision qui est assez subjective et de plasticien. Ça veut dire que c'est pas écrit. Je vois l'image qui convient. Je la vois, je la revois à plusieurs reprises, y compris avec ses imperfections. Quand j'ai fichu le coup de ciseau et ensuite quand je colle, eh ben voilà, c'est fait. On n'y revient pas. Pour moi, le Super 8 reste toujours un médium éminemment contemporain. En 2011, aujourd'hui, on continue à le fabriquer. On continue à le développer et donc on peut continuer à le travailler. Il y a maintenant des laboratoires qui font d'excellents télécinémas, mais vraiment excellents, extrêmement pointus, qui permettent de rendre la qualité
pas évidemment de la source, parce que la source reste toujours là, mais une qualité absolument étonnante. Et je pense que paradoxalement, en ski, il me semble que c'est le numérique qui va sauver le Super 8. Here we go again with zeros and ones. 40 years from now, we'll talk about it. Anyway, it's here and now, so I accept. I accept that I won't surrender. I have lovers from all over the world. Hungary, Germany, Italy, Brazil, England, like here in Cambridge. These international meetings are organized by a French guy, Thierry Bonneau. If he pops up from behind a grave, it's just to scare away the devil. It's not a sort of premonition. Filmmakers leave their homes, exchange tips, help each other. Super 8 is a matter of passion. Events are pretty difficult to organize. Most of the time it's volunteers that take care of everything. One of them is Tony Clark. He works as a printer and has a big crush on Super 8. They're sort of honoring almost the end of an era, because it doesn't feel like the end of an era. We know maybe it might be, but what comes to us every year is a living tradition. People said, I made this last month. This is new. This is what I did. Cambridge is different. You can watch movies and you can make them. Ian Helliwell leads a workshop on making a film without a camera, just by scratching, manipulating and messing around with film. In the meanwhile, I'm bored inside my case. I'm glad to see projectors stretching their legs. Nowadays, they're most of the time forgotten. I must say, I'm lucky. Digital can try again and again, but it will never have my particular skills. If you look at a Super 8 film and hold it up to light, it's like jewellery. It's those little tiny pure colours. And you think, what else does that? A digital videotape, it's a piece of plastic. It does the job. It's boring. This workshop suits me better. Students are learning how to develop black and white film in the old-fashioned way. Look how Super 8 is a matter of peace, patience, breathing. 1.6 needs to cover 2 miles of film. The Lomo tank, a weird cross between a pressure cooker and a flying saucer, was invented by the Russians, who didn't have the opportunity to have their films developed in commercial film labs. Today it's a way, if you're not like me, afraid of the dark and of chemicals, to develop films. An unnatural wedding, film and digital. Let's speak more about free love. Naren Wilkes, professional photographer, is happy to use me to beautify these mergings of forms. But without digital editing, it's sure he couldn't have achieved this result. I suppose, yeah, working with Super 8 just allows me to explore certain concepts that I've already explored with photography, but, you know, take it to the next sort of step. With Super 8, as an extension of what I do with photography, with still images, in which I do a lot of really long exposures. You know, I'll do sort of 20-minute exposures under moonlight, so they'll look like the daytime. Felipe Cataldo is a Brazilian filmmaker by night, one of those who loves to experiment, and by day, a teacher. We developed the film at Cristiana Miranda's house. She's from the photography crew of the film. We kind of took the Super 8 film off, dive it in the chemistry tunnels, just like noodles, macarone, you know, just like cooking. And then we wash it and see what happened. It was kind of a practical observation, empiric, that was more close to the painting. People think it has been wiped out, but in fact it's got itself into a little corner where we say we know why we do this and we like it, and it stays there. It's not disappeared, which is not something you would have thought. And people, you know, in the same way that film photography doesn't die, it's shrunk down to from being the norm to being something you have to consider, but that doesn't mean it will go away. I mean, I hope it doesn't go away. Oh, I wish for it too. We haven't been manufactured for centuries. Super 8 equipment can be found on the internet in a few rare shops, car boot and jumble sales.
I'm so excited I've completely forgotten to adjust the iris. Bang, I've overexposed. I can explain. I've been invited to the French Riviera. Do you recognise the station? No, it's not La Ciotat. And this beach? Cannes, right, just in the middle of the film festival. I know what you think. Super 8 deserves it. So I'm pretty proud. Two English guys, Ed and Will, struggle each year for their Straight 8 screening. Super 8 illuminates Cannes. You can see films shot in camera just like in Strasbourg, remember? This is our ninth consecutive year at Cannes Film Festival. Yes, Cannes Film Festival, with Super 8 films edited only in camera. That means that people are using technology like this, and we had 115 of these films made from all over the world this year. We picked the best 8, or the 8 that we think we wanted to show at Cannes to show tonight. For example, one can recount 15 years of a couple's life without one cut or edit. You know what I'm saying? Keep walking. I just don't believe the lengths my lovers will go to. The director of Deja Vu has thrown no less than 6 cars into the abyss. What suspense. This little cumulus has 3 minutes and 20 seconds to refind the sky. She bloody ran over me. I was sitting in the park having my lunch. And these lovers, will they manage to find each other and form a single image? On the floor, bashed himself quite badly, and I felt really bad. Super 8, I must admit, the love format. And I looked at her, and she looked at me, and I thought, oh. It would be nice if there were the same atmosphere in the main festival. I got this done when I was 18. I was a very, very big fan of zombie films all my life. I made a film called... It's a very specific title because that's exactly what I've shot. A claymation, which is stop frame animation, achieved with plasticine. And just recently, like 6 months ago, I said, okay, I'm gonna have a stab at being this guy who just makes films by himself with no friends, no money, and do it on the breakfast table. Like that's like my gimmick, my selling point. Today, sir, I am a film director at Cannes. The last time I shot zombies, I got blood all over my lens. Thanks very much. I love you. I love you too. That was the best holiday ever. I prefer painting. It's safer. I told them, well, we have just one scene. The first thing has to be. And one of the actors told, well, then you do it the next time. No, no, it's just once. And she said, okay, that's a problem. I was pulling the flowers out of the tube. It had to work just one time, and I've never been so nervous in this special pull-out thing. Yes. I think that even with this digital generation, and that's what people are used to, they see Super 8 and the magic of it is contagious. So I think for that reason it does have a future, because it's so different from what people are used to shooting on. And you know, there are fantastic competitions like Straight 8 that you couldn't do digitally. You couldn't put those constraints on someone, and then these results are beautiful. So it must have a future because it's such a beautiful thing, and I really hope it has a future for many, many years. And I hope that I die and Super 8 is still available and still used. I think next year Straight 8 should be on the red carpet.
Next year maybe we plan to have a straight A feature film, all made on Super 8, with no retakes. You know, we'll be marching up the red carpet right here. It still makes me dream. I feel ready for the future. I wish manufacturers would continue to produce our cartridges in black and white and in colour so that filmmakers can carry on our love story. But this little one, will he be interested in me? On y va. And will I live long enough? Or will he have to use some substitutes, like this smartphone application? Finally, it's for the same result, I guess. A little bit of glory. Time to say goodbye. I hope not goodbye, but just goodbye for now. Hooray for Super 8. Long may we live, cameras, projectors, and our magnificent accessories. We've helped you to preserve a part of your memory, of your youth, helped to nurture your creativity. Please don't forget us too quickly. We won't forget you, that's for sure. Chère caméra Super 8, je voulais te demander simplement une chose, reviens le plus vite possible et surtout reviens avec des munitions de Kodachrome. Des pellicules Super 8, si elle pouvait m'en donner un carton de 100, j'aimerais bien. Quelquefois tu m'énerves parce que tu tombes en panne, il y a des choses qui dérapent, qui déraillent. Can I have a look at your insides to find out how you work? C'est dommage qu'elle ne me rappelle pas l'ordre quand je mets pas la mise au point. Thank you for documenting my childhood in a beautifully romantic light. J'aurais envie de dire, t'as de beaux yeux, tu sais, enfin bon, tout ça, des phrases de cinéma. Tu es Super 8 camera, I have to say, I love you, but in your own language. Trrr.